Bonjour. Vous est-il arrivé d'attendre pour agir, d'être vraiment certain d'aller dans la bonne direction? J'ai déjà vu des personnes tétanisées par l'incertitude, bloquées à force d'hésiter, au risque, comme le pauvre âne de Buridan, de mourir de faim et de soif entre la mangeoire et l'abreuvoir. J'ai parfois de la même façon traîné avant de passer à l'acte. J'aurais aimé qu'un ange vêtu de blanc vienne en pleine nuit me montrer la direction à prendre. Un prêtre m'a aidé un jour en me disant « Ne vous inquiétez pas, faites le premier pas, le Seigneur le bénira ». C'est comme s'il m'avait dit « L'essentiel est de se remuer ». Ceux qui ont l'expérience d'un embourbement savent que peu importe le sens dans lequel on pousse, pourvu que cela bouge. Pour sortir un véhicule de l'ornière, on le fait osciller d'avant en arrière en commençant par une faible amplitude jusqu'à le libérer. Et c'est le tout premier ébranlement qui exige le plus d'énergie. De même qu'arracher une fusée à la pesanteur surconsomme du combustible, certains premiers pas requièrent beaucoup de courage. Je me souviens d'un homme qui témoignait devant les lycéens de la vie de son fils qui souffrait d'une maladie psychique. Sur le mur de leur classe était inscrit « Heureux qui, telle la rivière, peut suivre son cours sans sortir de son lit ». Le père expliqua avec admiration que son grand-fils se battait dignement chaque matin pour s'arracher à son lit, malgré la mélancolie maladive qu'il y retenait. Ce premier pas quotidien avait le prix de l'effort consenti. Nous savons tous, par expérience de quelques blocages dépassés, en quelque domaine que ce soit, que les pas qui suivent sont bien plus faciles que le tout premier pas. De même qu'un saut hors du lit peut nous demander la précieuse minute héroïque dont parle Saint José Maria, sortir d'une bouderie, d'un refus de pardonner ou de demander pardon, ou d'une compulsion est libérateur. Or, ce premier pas, le décourageur s'acharne à nous en dissuader. Quant à la paternité divine, elle respecte tant notre liberté qu'elle nous demande d'en faire la preuve justement par ce premier pas, quitte à nous épauler dès le second. Alors, action. Il s'agit d'abord de lister quelques blocages, encroûtements, embourbements qui nous entravent. Je suggère d'en noter trois. Cela peut concerner des relations, des activités, des projets figés. Bref, là où nous sommes enfermés, ankylosés, parfois depuis si longtemps que le tout premier pas nous semble aussi surhumain qu'à une personne souffrant de paralysie. À nous d'imaginer alors la stratégie qui nous permettra de bouger. Il faut peut-être creuser un peu, se renseigner, apporter des pierres et des planches, demander de l'aide à d'autres bras. Sans le savoir, le premier pas est déjà lancé. N'est-il pas dans la décision prise de changer, à condition qu'elle soit ferme, irrévocable? Portée par la détermination déterminée prônée par la grande Thérèse d'Avila, nous voilà déjà en marche. Que se passe-t-il après l'Annonciation? La très jeune Vierge se met en route en hâte. Elle fait de son propre chef un premier pas que l'ange ne lui a pas prescrit, mais que son cœur lui inspire vers sa vieille cousine enceinte pour l'aider. Et qui l'accompagne vers ce but qu'elle a elle-même choisi? Dieu en personne. Très admiratif.